les dizaines et les unités. Une unité, c'est une seule chose, comme un arbre, un oiseau, un chien et un cube. Voici quelques cubes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes ou bien 6 unités. Voici 10 unités. Je veux les mettre toutes ensemble. J'ai obtenu alors un bâton qui s'appelle une dizaine. Dans une dizaine, il y a toujours 10 unités. Une dizaine égale 10 unités. Une dizaine est un groupe de 10. Une dizaine de fleurs, c'est un groupe de 10 fleurs. Une dizaine de papillons est un groupe de 10 papillons. Une dizaine de pommes, c'est 10 pommes. Attention, une dizaine, c'est 10 unités et non pas 10 dizaines. Je veux compter les dizaines et les unités. Ici, il y a une dizaine et 5 unités. Ici, il y a 2 dizaines et 3 unités. 4 dizaines et 2 unités. 2 dizaines et 4 unités. Ici, j'ai une dizaine et 2 unités. Et si je mets les deux chiffres ensemble, j'obtiens 12. Dans le nombre 12, il y a une dizaine et 2 unités. Il y a une dizaine et 2 unités. Une dizaine égale à 10 et 2 unités égale à 2. 10 plus 2 égale 12. Maintenant, on a une dizaine et 4 unités. Une dizaine égale 10 et 4 unités égale 4. 10 plus 4 égale 14. Il y a une dizaine et 9 unités. Une dizaine égale à 10 et 9 unités égale à 9. 10 plus 9 égale 19. Donc, c'est le nombre 19. Ici, il y a 2 dizaines. Chaque dizaine égale à 10. Donc, 10 plus 10 égale 20. Dans le nombre 20, il y a seulement 2 dizaines et pas d'unités.